toutes, coucou à tous, c'est Charlie du site charlie-liveshow.com. Et bien avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très belle année 2023. Voilà, je vous souhaite et je me souhaite aussi le meilleur, évidemment d'être en bonne santé, mais surtout que ce qu'on a envie de faire, on ose le faire, que nos rêves, on ose les réaliser, et puis de gagner un petit peu en simplicité et de s'autoriser à ce que tout se passe bien. Parce qu'en général, il y a vraiment moyen que tout se passe bien si on ne se prend pas la tête et si on ne fait pas en sorte que ça ne se passe pas bien. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous donner un petit peu des nouvelles. Ça fait super longtemps que vous n'avez pas vu de nouvelles vidéos sur YouTube. Il y a une raison. J'arrête de poster des vidéos sur YouTube. Pourquoi ? C'est pas vous hein, que je boude. C'est juste que le média YouTube m'a un petit peu fatiguée en fait. D'une part, il y a des raisons politiques, je dirais, dans le sens où YouTube fonctionne sur un système de monopole. Et le principe du monopole, c'est qu'une fois qu'ils ont le monopole, il n'y a plus que eux qui ont la vidéo. Et si eux décident que telle vidéo n'a pas le droit d'exister, eh bien, elle n'existe plus. C'est un petit peu ce qui m'arrive, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je suis particulièrement sensible à cette histoire de monopole. Le problème que j'ai avec YouTube, c'est que c'est extrêmement puritain et que le sujet dont je parle étant la sexualité, ça devient très compliqué d'arriver à juste faire exister mes vidéos. C'est bien simple, hein. Je pense que entre une et trois fois par semaine, je reçois un mail de YouTube qui me supprime des vidéos. Des vidéos où il n'y a pas de sexe apparent, où il est question, c'est par exemple des vidéos où c'est juste une image fixe et où je fais des lectures érotiques. Des lectures érotiques, il y a même eu une vidéo de Maupassant qui a été supprimée, mais des textes érotiques qui sont publiés à l'heure actuelle, au 21e siècle, et qui sont supprimés par YouTube sous le motif que c'est du contenu à caractère sexuel. Toutes mes vidéos sont réservées aux personnes qui ont plus de 18 ans. Alors, où est le problème à parler de sexualité quand on a plus de 18 ans et qu'on est consentant? Voilà. C'est-à-dire que si la vidéo ne te plaît pas, tu t'en vas. Mais si tu as moins de 18 ans, tu n'es pas censé avoir accès à cette vidéo. Alors après, pour ceux qui ont moins de 18 ans et qui voient mes vidéos, prenez vos responsabilités ou que l'entourage prenne ses responsabilités. Il y a des systèmes qui existent pour mettre en place des pare-feux, des contrôles parentaux. Et puis après, à chacun aussi de faire son travail, même si c'est pas simple, hein, c'est désagréable comme moment, etc. Mais ça fait partie du travail des gens qui ont des mineurs autour d'eux, de leur parler de sexualité et de les informer justement du fait qu'il y a des contenus qui ne sont pas adaptés pour eux, ou alors de les informer que, par exemple, le porno, c'est pas la réalité, c'est une fiction, et de leur décrypter les codes du porno et de s'atteler à parler de sexualité. Alors justement, moi, sur YouTube, je ne fais pas de porno, je parle de sexualité. Il y a des choses que j'explique, notamment par les vidéos de test sextoy, et puis par les vidéos, les podcasts, en fait, érotiques, ça permet de savoir qu'il y a mille et une manières de faire l'amour qui existent, mille et une manières de fantasmer qui existent, et que cette littérature-là est extrêmement riche et enrichissante. Vu que c'est trop compliqué de publier des vidéos, vu que régulièrement je suis bloquée, je ne peux plus publier, etc., j'en ai un petit peu marre de me battre contre des moulins à vent. Donc maintenant, ça va être à vous de faire l'effort de venir. À vous d'être un petit peu acteur d'un changement. Si vous avez envie qu'on vive dans un monde où on a le droit de parler d'érotisme, où on a le droit de parler de sexualité, où on a le droit d'écouter une vidéo où, par exemple, j'explique comment on fait une gorge profonde, parce que il n'y a rien de mal à ça, c'est juste une vidéo technique où je raconte alors comment on fait une gorge profonde, comment on détend, comment... Et bien du coup, il va falloir sortir de YouTube, oui. Juste pour dire le niveau où on en est sur YouTube, les gros mots démonétise les vidéos. C'est-à-dire que vous avez dû voir de plus en plus de vidéos, notamment d'influenceurs, où tous les gros mots sont remplacés par les créateurs de contenu par un bip. Pour nous, il est hors de question de remplacer le mot d'un auteur érotique par un bip. Faudrait que je vous en fasse une un jour, une lecture érotique où tous les mots qui décrivent vraiment les organes génitaux ou alors des mots très sexuels sont remplacés par des bips, ça va être compliqué la lecture quoi. Et au-delà de ça, qu'une vidéo de test sextoy
on remplace le mot sextoy, le mot vulve, Vagin, chatte, vagin, clitoris. pénis, clitoris par des bips, ça n'a aucun sens. Je veux bien le faire pour mes neveux quand ils avaient 5 ans, mais ils ont 14 ans, c'est fini. Ils sont au courant de ce que c'est un kiki et une kikette. Ben c'est surtout que ça, dans quel monde on va vivre en fait? Parce que ce monopole de YouTube fait que d'un coup vous ne verrez plus que des vidéos où il y a des bips en fait. Ou alors, enfin. Donc du coup, nous, on a trouvé la solution. Les vidéos existent toujours. Parce que moi, j'ai continué à faire des lectures érotiques. J'ai continué à faire des tests sextoy et des vidéos sexo. Bien sûr que j'ai continué. Je ne vais pas attendre que YouTube me donne la permission en fait. YouTube ne va pas décider de ce que je fais de ma vie en fait. J'ai continué et j'héberge toutes les vidéos sur Peertube, qui est l'équivalent de YouTube, sauf que c'est libre en fait. Et sauf que du coup, il n'y a pas cette censure, ce monopole, et que ça s'autorégule, et que par exemple sur Peertube, tu as juste à mettre un hashtag no safe for work, et si toi dans tes paramètres, tu mets que tu veux pas voir les vidéos avec cet hashtag-là, les vidéos n'apparaîtront pas dans tes recherches en fait. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, le plus simple, c'est que vous alliez soit sur mon site charlie-liveshow.com, puisque là, évidemment, vous avez accès à tous les articles, toutes les lectures, etc. Et sinon, si vous allez sur mon Linktree, vous avez le lien là qui va apparaître. Sur mon Linktree, vous avez les liens pour aller à peu, en fait, absolument partout. J'annonce les nouveaux articles, j'annonce les nouveaux podcasts, j'annonce les nouvelles vidéos de cul, j'annonce, tout est annoncé en fait. Donc, il y a mon site côté vraiment adulte, mon site côté érotique, les lectures érotiques, les fan clubs, le Patreon si vous Même voulez les soutenir, promos. même les promos, et puis le Patreon si vous voulez soutenir, parce que moi mon travail continue, donc si vous voulez soutenir le travail que je fais, parce que je le dis et je le redis, hein, par exemple, les podcasts érotiques ne me rapportent rien. La seule chose que ça me rapporte, c'est, je crois qu'à l'heure actuelle, je gagne 40 dollars par mois grâce aux gens qui me soutiennent sur Patreon. Vous pouvez me soutenir à partir de 1 dollar par mois. Si vous êtes un peu plus nombreux, ça serait cool parce que c'est beaucoup de temps pour un travail qui n'est absolument pas rémunéré et qu'à un moment donné, il y en a un petit peu moins parce que, bah parce qu'il faut que je gagne ma vie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, le travail de Charlie continue, tout continue, on continue à parler de cul, on continue à ouvrir les esprits, à se rappeler que le cul, c'est juste du cul. La sexualité, au départ, c'est censé être ludique et qu'on a le droit d'avoir tous les fantasmes qu'on veut. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas sale. Mais ça ne sera plus sur YouTube. Alors, de temps en temps, peut-être je vous ferai un petit coucou comme ça, une petite vidéo, histoire de vous donner un peu des news. Mais il n'y aura plus de nouvelles vidéos concernant vraiment le boulot que je fais sur l'érotisme et la sexualité. Voilà, à un moment donné. Il faut arrêter de se battre pour rien. Donc, au lieu de me battre contre YouTube, au lieu de me battre contre la censure, contre le monopole, je vais me battre, je vais œuvrer pour. Donc, je vais œuvrer pour des systèmes libres, je vais œuvrer pour des endroits sur Internet où on peut diffuser ce qu'on veut et où la parole est libre et l'information est libre. Parce que toutes ces vidéos que je fais, c'est aussi juste de l'information et c'est quand même super important. Voilà, et ben vous savez tout. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, ceux, les gens et ceux, les choses que vous aimez. Et peut-être que ça peut être un bon truc au lieu de vous battre contre, cultivez ce qui vous fait du bien, cultivez ce qu'il y a à faire grandir dans votre vie. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao!